Romain, racontez-nous comment ça s'est passé. C'était un chrono plutôt rectiligne pour spécialistes et votre équipe a fait une excellente performance. Oui, pour une équipe plutôt composée de grimpeurs, je pense une bonne performance, homogène. C'est vrai que ça roulait très vite, donc fallait. Voilà, on l'a fait avec nos moyens, notre cœur. C'était une belle journée, je pense. Je suppose que c'est un exercice que vous avez travaillé. Pas spécialement, pas encore du moins. Donc c'était une bonne prise de marque pour la suite. Vous pensez que c'est une bonne répétition pour le chrono du Tour de France? C'est à peu près le même profil, hein. Bien sûr, les conditions vont être similaires dans un mois au Tour. Et c'était important, voilà, avec la grosse structure ici du Tour de France, de déjà rouler vite ensemble, de prendre des bonnes marques sur une journée type comme celle-ci. Ouais. Vos sensations sur le vélo de chrono? Non, elles sont bonnes. Et puis voilà, quand on roule tous dans le même but pour aller le plus vite possible, c'est des sensations qui sont sympas à éprouver, donc c'est une bonne journée. C'est plutôt une bonne surprise ou c'est un résultat Non, on va voir déjà. Là, de l'heure que je vous parle, le classement, on n'est pas fini, donc faut voir. Mais en tout cas, on a pris du plaisir à rouler vite, et c'est ce que je retiens. C'était homogène, il n'y a pas eu de grosse erreur, donc voilà, c'est une très bonne première marque. Merci Romain.